Bon, fait que ça fait déjà un bout que Petit Lama pas propre n'a pas fait de Rubik culinaire. Aujourd'hui, c'est invention du chef. Le chef, à l'occurrence, étant moi, Okapiman. Fait que là, on part de deux toasts grillés, mais pas trop. Mais ça fait quand même 5 minutes, je les ai oubliés. Fait qu'ils sont quand même sèches. À ça, on va ajouter de très bons ingrédients. J'espère que t'as un bon zoom sur cette caméra. Genre de la moutarde à 99 cents, prix à l'épicerie du Bic. C'est dans le panier à rabais, là, parce que ça fait un bout que ça se vend pas. Yes, sir. On gênera pas. On va en mettre ces deux. Ouais, en forme de V. Parce que c'est ça le secret. Quand tu attends de la moutarde, faut pas l'attendre. Faut faire un V avec sur ta dose. Fait que là, on continue. On continue avec un œuf. Hein? Il faut un œuf. De préférence cru. Parce qu'il y a plus de protéines. Nous autres, on fait rien que des recettes d'athlètes. Hein? Tu casses ça sur le pot de moutarde. Hein? La moutarde, un œuf cru. Bon, l'œuf cru, elle glisse dans le fond de l'assiette, mais faut que tu ailles la rechercher avec tes mains. T'essayes de la calisser sur la toast. C'est la rubrique culinaire. Lui, c'est le roux. Lui, il est commentateur, mais. C'est vraiment bon. Goûtez, goûtez. Vous êtes comme dans le show. Essayez. Mais moi, je suis sûr qu'en vrai, si tu l'écrases dans ton pain et tu mets ton micro-ondes, ça te fait genre. Ben oui. Ça te donne faim, Lupin? Non, ça va cuire. Je l'ai déjà fait dans un bol. La compote de pommes, hein? C'est quoi? C'est parce que c'est une recette de jeûneux. Mais après, tu fais foirer ça dans la face, moi, Hein? La compote de pommes. On va faire au Capiman. Tu penses que tu t'es lavé les mains pour avoir pissé? Moi, je vois. Lui, il va pisser, puis moi, je vais pas laver. J'ai pissé un cap de ouf! Non, tu le verras pas à soir. Bon, fait que sur cette joke niaiseuse de roux et de cap, je continue ma recette. C'est comme on vous a dit au début, c'est une jaguar au panthère, fait que c'est ça. Je résume, des toasts avec de la moutarde en V, un œuf cru qui glisse, la compote de pommes, du Red Hot, Frank's Red Hot. I put that chick on everything. Oh yeah. Ah ouais, Red Hot. Bon, fait que là, préparez-vous mentalement parce que ça se peut que on va le mettre à la lumière. On va le mettre à la lumière. T'as oublié la touche finale, la déco. T'as oublié la déco? Ben oui, je pense que c'est comme une crème brûlée, ça. Ben ça, en fait, le jaune, tantôt, je l'ai pas dit, mais faut le crever d'une manière très, très... Faut pas, genre, le crever en pesant dessus. Faut le séparer en deux. Hein, comme ça. Ben, là, tu mélanges tout ça, là, parce que c'est... I put that shit on everything. Oh yeah. Encore du Red Hot. Ouais. Tu m'en envoyé dessus! Là, je vais laver les mains pour une deuxième fois! Ah, mais là, vous gaspillez la barbe. Tu connais-tu la tête du gorille? On va! Non, non, commence pas, toi, tu voulais pas faire les notes tantôt. Faut que ça cuise. Ah, ça me tente. C'est des œufs crus, faut pas trop les faire cuire parce que, tu sais, justement, je pourrais pogner le sida. On veut ça moelleux. On veut que l'œuf devienne moelleux. Ouais. Lui, il vient de passer son cours en cuisine. Ça, c'est-tu un œuf moelleux, mon Alex? Alex, prends-nous dans ta face. Est-ce que c'est un œuf moelleux? Je dis qu'il en manquera encore un peu. Il en manque encore un peu. Encore un peu. Tu pourrais finir la job au micro. Non. Pas de micro. Pas de micro. Ça tue les protéines. Ben, moi, je te dis, il faut avoir une... Ça tue les protéines. C'est la joke. Donc on donne ça à l'assistant en torche. L'assistant à la cuisine. Manque juste un chapeau de couche. Là-dessus, comme on a dit, c'était une panthère au jaguar. Ah non, comment pas du café. Ça pourrait se faire sans café. Tourne là parce que là on voit le Nescafé. Comment on pourrait faire ça sans du café aux noisettes? C'est une jaguar au panthère. Ben. Café aux noisettes. Café aux noisettes. C'est quoi, il me semble, il me manquait un ingrédient à la surprise? Je sais pas, t'as fait du Windex? La sauce de salade? T'as pas encore des triscuits aussi, c'est assez dégueulasse. C'est ça qui manque, c'est des triscuits, Calvert. Hey, peux-tu juste citron? Pourquoi? Juste citron? D'accord.
À ça, on devrait mettre des coquilles d'œufs aussi. Hein? À ça, on met un triscuit et demi, mais quand ça en miette, là, tu sais, ça va. Tu sais, si ça passe pas, on va le donner aux oiseaux. Fait que, on n'oublie pas le jus de citron à la fin, quelques gouttes pour ouais, ouais, le jus de citron. J'ai rien oublié, moi, là. L'œuf est moelleux. Il y a des triscuits. Oh, puis la pétineur! Non, pas du crab. Ah, okay. Pas de mac and cheese. Hey, check, esti, on scrape pas un classique là, du mac and cheese. Ça se mange à mac and cheese. Ah, l'œuf est moelleux, là. C'est une panthère au jaguar. L'œuf est moelleux! Bon. Fait qu'on récapitule. C'est deux toasts sèches. À peine grillé. Là-dessus, on a mis moutarde en vue. C'est bien important. Red hot. Un œuf moelleux. Faut le rendre moelleux. Puis. C'est que c'est déconcentré un roux, hein. Puis à ça, on rajoute la compote de pommes, des triscuits en miettes, puis du jus de citron, ça va être un calvaire. Il va goûter à ça. Et voilà. Il goûte. Ah, ok. Oh. Ça a de l'air bon, hein? Tu bois. Oh, c'est bon? De l'isasmar, on peut aller se rhabiller. Ça veut dire quoi, ça? C'est meilleur ou c'est de la mort? Ben, c'est bon. Là, fais-moi le. Tout le train dans l'œuf, laisse-moi le dire. Non, c'est pas ça, mais c'est de la petite dompe, ton affaire. Toi, le roux. Je peux-tu? Ouais, oui, check. Oh, mon Dieu. Ça goûte quoi? C'est une panthère au jaguar, ça s'appelle. Hey, la panthère au jaguar, elle sent la marde. Vraiment dégueulasse. En tout cas, ça va être l'air qu'on a de l'argent à faire. Ben, on est riche. On est des étudiants. Fait que la note de fin? Sur 10? Oh, je mettrais 4 étoiles de Dragon Ball à peu près. Non, deux. Ça deux, vaut deux pas de la merde, ça? 2 étoiles de Dragon Ball, c'est bon. 2 étoiles dégueulasses, Chris. Mais, un œuf cru, de la moutarde, de la sauce Red Hot, la compote de pommes, du café, pas de tambourine. Ah, c'est dans l'œuf spécial. Fait qu'on finit ça là? Ben, sur une peinture de guerre.